Bonsoir. Bonsoir l'Arménie. Բարի երեկո Հայաստան, դուք միգուցե ինձ չեք ճանաչում, ես մի ֆրանսիացի երկիչ եմ։ Et Charles était comme un père, et je le dis vraiment, comme un père, et j'ai versé des larmes de fils quand il a disparu. Et l'obsession de Charles Aznavour, c'était le temps qui passe. Il a écrit la moitié de ses chansons, d'une manière ou d'une autre, parle du temps. Alors, parmi ses chansons sur le temps, il y en a une qu'il préférait, et c'est celle-ci que j'ai choisie, puisque je savais qu'il la préférait. Je vais vous la chanter, accompagnée par monsieur Éric Berchaud, qui est le pianiste de monsieur Charles Aznavour. Et je vais la chanter, cette chanson s'appelle « Sa jeunesse ». Entre ses mains, ses deux richesses, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, riche d'espoir, brodé d'espoir et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans, nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette, mais il est trop tard. Sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, le temps paraît si court que l'on est tout surpris qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Mais lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, riche d'espoir, faite de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu
Souvent, en vain, on tend les mains, on regrette. Il est trop tard, sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Alors, on m'a demandé, pour des raisons particulières, de vous parler un peu de Charles. Charles, il m'a tout appris dans le métier, il m'a guidé dans mes expériences, il m'a guidé dans mon ambition, il m'a guidé dans mes erreurs. Il a toujours été là et il m'a toujours dit tout franchement, parce qu'il parlait très franchement. C'était un homme qui avait une grande générosité. Tiens, Eric, quel est, si tu devais qualifier Charles, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit ? Son humanité. Il vivait grâce à vous tous, grâce au public, dans le monde entier, et c'était sa grande générosité. Oui, il aimait le public comme personne. Il aimait le public comme on l'aime, peut-être tous, les chanteurs, mais peut-être davantage encore que les autres. Et je voudrais vous quitter en vous disant que je vous aime. Et emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci à vous, ils sont toujours pas prêts, j'ai l'impression. Alors, c'est difficile de parler de Charles. Vous savez, le lendemain de son décès, j'ai pleuré comme un enfant pendant une heure. Moi, je pleure pas beaucoup, souvent. Et là, j'ai pleuré. Et j'ai senti à quel point il comptait encore plus pour moi que je ne le pensais. C'est une chose qui ne m'est pas arrivée souvent. J'ai même pas pleuré quand Brel est mort, j'ai pas pleuré quand Brassens est mort, j'étais ému, j'étais très, très malheureux, mais Charles, j'ai pleuré. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous comprenez bien, pour ceux qui parlent le français, j'espère que vous comprenez bien tous les mots que je vous dis. Et comme l'a dit Eric, Charles aimait les gens, et il aimait aller voir les gens. Il aimait aller les voir dans le monde entier. C'est le seul chanteur qui a fait une carrière français. Le seul chanteur français qui a fait une carrière internationale. Il chantait aux États-Unis. Il chantait chez vous. Il chantait en Russie. Il chantait en Angleterre. Il chantait dans les pays de l'autre côté de l'Atlantique, les pays tropicaux. Il chantait partout, il chantait au Japon. Alors d'ailleurs, il venait de chanter au Japon quand malheureusement, c'était peut-être l'effort de trop, l'effort supplémentaire qu'il n'a pas supporté. Parce que, hélas, c'est quelques jours après cette... Parce que le Japon, c'est 22 heures de trajet, aller et retour pour un homme de 94 ans, c'est pas facile. Alors je pense que ça a été pas facile, ça a été difficile, ça a été plus que difficile, et je pense que c'est de ça qu'il a fini par... Il aurait aimé atteindre 100 ans, parce que sa race, il était né dans un coin de votre pays où les gens deviennent très vieux. Alors je veux dire que il espérait, et je pense à juste titre, il espérait vivre jusqu'à 100 ans,
et peut-être venir à 100 ans chanter encore sur scène, chez vous bien sûr, parce que c'est le pays de son cœur, à Paris bien sûr, parce que c'est le pays, la langue qu'il a fait naître, et puis partout bien sûr, où il a imprimé sa marque, c'est-à-dire à peu près partout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que maintenant, ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts. Alors je vous dis au revoir. Je m'appelle Serge Lama et je vous aime.